parfait chef-d'œuvre que l'homme. Bienvenue au pays de la consommation de masse. Bienvenue dans un vendredi noir, celui d'un Black Friday, dénoncé par Rémi Ténéroni qui s'appuie sur Hamlet pour s'interroger sur le sens de la vie. Vous connaissez l'opération T4 ? Est-ce que quelqu'un connaît l'opération T4 ? Oui ou non ? C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, une façon de réfléchir et de ne pas subir forcément les choses et d'être dans un théâtre qui ne laisse pas le spectateur passif. Opération T4, nouvelle génération. Des chercheurs d'argent nous regardent, nous attribuent, nous définissent, nous ciblent, déconnectent nos neurones, reconnectent des codes-barres, des chiffres, des valeurs. La compagnie Les Cruels renvoie Antonin Artaud et son théâtre de la cruauté. Avec une démarche engagée, c'est tout simplement l'humain que Rémi Ténéron y remet au centre des questionnements. Il y a ce Black Friday, cette frénésie de la conso, où en est l'amour, où en est la poésie, où en est la tendresse? Est-ce qu'on n'oublie pas tout ça? J'entends ce qui fait la vie, ce qui l'attend, la désespère au fond pour que l'intensité toujours règne. Avec ses 6 comédiens, L'Homme défiguré est à voir ce 16 avril à 21h à la CCAS de Porticcio avant de participer, à travers un partenariat avec Père Apache, au Festival de théâtre lycéen francophone de Belgrade au début du mois de mai. Au royaume du Black Friday.